Voice of Cameroun. La voix de l'espérance. À Bangante, chef-lieu du département d'Yaoundé, dans la région de l'Ouest, la propriété a toujours dicté ses lois aux habitants. Dans le centre administratif, il est difficile de trouver aux abords de la route des trottoirs anarchiques et des bouts de papier un peu partout dans la ville, car les services de voirie y veillent au grain. Un peu plus loin dans le principal marché de la ville, le constat est le même. Les commerçants respectent à la règle les lois instaurées par l'ancienne maire de cette localité. La question de la propriété, c'est nous-mêmes les vendeuses qui mettons ces propriétés. Parce qu'avoir d'avoir jeté la santé à terre, on ramasse, on met dans un carton, après on passe jeter à la poubelle. Non, 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 on respecte la ville parce qu'elle est propre. Tu ne peux pas faire les dépôts de santé là où il va demander. C'est ça qui c'est. Notre ville est propre. Mais il y a quelque chose qu'on lui demande. Il faut qu'il nettoie encore un peu les fossés. Parce que quand il pleut, ça canalise, ça ne descend pas. On avait très mal fait le fossé. Il n'y a pas la pente. Oui, c'est ce qu'on demande encore aux gens de la mairie. De nous aider encore à éliminer la fossé qui est devant tous. Tout l'arranger, c'est comme ça. Là. Oui, dans la ville est propre. Madame la ministre, on est derrière et la ville doit toujours être propre. Bangate n'a rien à envier aux autres villes du Cameroun, car elle est l'une des villes les plus propres du pays. Une propriété que la ville doit à l'ancienne maire Célestine Kétia-Cortès. C'est madame la ministre, pas. Madame la ministre, dont on exécute ses ordres, même pas verser un papier à terre. La doléance qu'on peut adresser à madame la ministre, donc, on la remercie d'avoir passé un avant qu'elle s'en aille, elle nous avait promis une lampadaire, un rayon solaire, nous avait donné. Et de Dieu, on veut que vraiment elle fait à ce que les gens veillent. La rigole qui suit devant nous là, qu'on essaie de mettre au propre. Parce que quand on demande aux gens qu'on ne met pas la rigole, et ils nous demandent si ce sont eux qui ont d'abord mis les premiers qui sont là. C'est ça qui est de si vraiment on pouvait un peu nous aider à nettoyer ces rigoles, que ça soit propre. Parce que là, en les parlant, on va les parler en haut en disant que regardez comme c'est propre. Si tout le monde parvenait à mettre la saleté comme vous, la rigole devait être comment? Une rigueur qu'elle a su laisser bien avant son départ pour Yaoundé.